Salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour la toute nouvelle saison de Project Zomboid, la saison 5 qui va être sous le thème scolaire en fait. Voilà, on va jouer sur une toute nouvelle carte qui comporte une grande école, voilà, une école avec des salles de cours, une cours de récréation, des jeux, enfin voilà, c'est vraiment le thème de cette saison 5, le scolaire. Et voilà, donc ça c'était la première information à vous donner. La deuxième information, vous avez l'habitude maintenant, notre personnage va dialoguer avec vous, avec moi, au travers des bulles de texte, des bulles de dialogue. C'est une option qui, je crois, n'est disponible que sur les ordinateurs. Voilà, si vous regardez cette saison sur les téléphones portables, je ne pense pas que les bulles de dialogue s'affichent. Et voilà, donc ça rajoute un peu d'interaction entre vous, moi et le personnage, qui risque de communiquer régulièrement avec vous. La troisième information, il y aura un épisode tous les 2 jours. Voilà, inutile de me demander quand est-ce que sortiront les prochains épisodes. Vous en avez un aujourd'hui, vous n'en aurez pas demain, vous en aurez un dans 48 heures, etc., etc., tous les 2 jours. Je ne sais pas combien de temps va durer cette saison, il n'y a pas de sauvegarde, hein, je le rappelle. Donc moi je vais tout tourner d'un coup, je vais couper ça en épisodes et je vous en balancerai un tous les 2 jours. Je voudrais remercier Xanagor qui m'a envoyé les objectifs de cette saison. Voilà, alors j'avais déjà fait les miens, mais je trouve que les siens étaient plutôt sympathiques. Du coup, bah, j'ai décidé de les prendre. Allez, les objectifs rapidement de cette saison avant de passer à l'action. On se rappelle, c'est un peu sur le thème scolaire, donc vous allez en retrouver certains. Il va falloir que mon personnage s'habille avec un haut rose et un pantalon blanc. Voilà, ça c'est la tenue de mon écolier, hein. Un haut rose et un pantalon blanc. Je vais devoir barricader ma maison avec une planche sur chaque fenêtre. Chaque fenêtre devra être barricadée avec une planche. J'ai pas le droit de manger des carottes et des soupes parce qu'on sait que les enfants n'aiment pas ça. Il va falloir que je sorte une nuit en étant légèrement alcoolisé et que je bute 5 zombies. Voilà, on sait que les jeunes, pour ne pas dire moi, voilà, donc une petite soirée légèrement alcoolisée. Et notre personnage devra sortir avec sa petite bouteille de whisky et buter 5 zombies. Je rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. On se calme les jeunes. Il va falloir que je trouve un crayon et un stylo. Toujours pareil pour rester dans le thème du scolaire. Si je vois un jukebox, il faudra que je l'allume obligatoirement car on sait que les jeunes aiment la musique. Hélas, les enfants jouent avec le feu. Il faudra donc que je crame une maison. Voilà. Ça fait partie des objectifs, merci Xanagor, ça va être assez sympathique. Il faudra évidemment que j'explore toute la map, que je trouve du chocolat et que je survive 20 jours. Voilà tous les objectifs de cette saison qui risquent d'être, ma foi, assez intéressantes. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on va commencer l'aventure. Donc, je lance le mode libre, on va appeler notre personnage Harry Potter. Voilà, toujours pareil pour rester dans le thème du scolaire. Harry Potter, hop. Voilà, allez, c'est parti, je sais, tu commences mal l'aventure, mon pote, t'as un sale prénom. Toujours pareil, je vais garder mon ouvrier du bâtiment parce que bah, parce qu'il est cool, il est sympa et il est résistant. Donc voilà, allez, c'est parti. Je lance la saison. Donc voilà, tous les objectifs ont été donnés. Je rappelle un épisode tous les 2 jours, des bulles de dialogue pour avoir un peu plus d'interaction avec le personnage. Et puis, ma foi, j'espère que ça va bien se passer. Une saison scolaire avec un personnage qui s'appelle Harry Potter. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à me demander de faire une saison 9 de Minecraft Hardcore sous le thème Harry Potter. Bon, on y réfléchit, on verra bien. J'aime pas trop Harry Potter, mais on verra bien. Allez, c'est parti, la sauvegarde devrait se lancer, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc c'est parti, la carte se charge, je fais un petit zoom. Ok, alors on a atterri apparemment dans le... Ok, dans le quartier d'habitation. Alors, faut savoir que les cartes se ressemblent. Il n'y a que le thème central qui change. Donc là, le thème central de la carte, c'est une école. Hop, j'ai directement trouvé une petite bouteille de whisky. Alors, carotte, je le prends pas. On se rappelle, hein, j'ai pas le droit de manger de carotte ni de soupe. Oh, ben regardez, c'est un fusil de chasse. Et j'ai même trouvé un crayon. Ok, parfait, un fusil de chasse, ça commence plutôt bien. Alors, j'ai pas de munitions. Inutile pour moi de m'en équiper. Alors, j'atterris au premier étage d'une maison. Je prends les médocs, je prends tout. Il faudrait que je trouve très rapidement. Ah non, je suis dans l'immense building à 10 étages là. Ok, on s'en souvient. Je l'avais cramé dans ma saison précédente. Pop, je vais descendre. Je vais essayer d'explorer la maison à côté à la recherche d'une batte de baseball. Il faut que je me méfie parce que là, je suis pas du tout équipé. On va courir un tout petit peu.
fermé. Non, c'est, j'ai réussi à ouvrir. Voilà, ici on a de la nourriture, c'est parfait. Énormément de pain, de chips, de canettes. On va pouvoir faire le plein. Hop, hop, on va prendre tout ça. Le pain, je le prends. Ça, je le prends. Voilà, il y a. Je vais prendre tout ce pain parce que c'est. Oh, je mémorise ici. Il y a pas mal de pain. On aperçoit un civil dehors. Salut le civil. Qu'est-ce que t'as? Tu bouges pas, tu comates. Allez mon pote, faut bouger là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes comme ça là? Ok, bon, écoutez, on va avancer. Ici, on entend une alarme sonner. On va la laisser sonner, mais on va pas. On va pas s'éterniser. Stylo crayon, voilà, stylo crayon, c'était les objectifs de cette saison, on s'en souvient, il fallait que je trouve les deux. Bon, on va essayer de bouger un peu, voir si je peux pas trouver très rapidement une batte de baseball. Très agaçante cette sonnerie. Encore un civil là-haut. Une hache. Bon ben voilà, on va prendre la hache en attendant. Alors, on va s'en équiper tout de suite. Ctrl Shift 1. Voilà. Oh, on aperçoit un zombie là-bas. Salut le zombie. Alors la hache est plutôt puissante. Le problème c'est que sa portée est relativement courte. Allez, viens là. Bon, mais... Ah si, ça y est, il m'a capté. Ouah, la vache. Ouah. Donc on voit, c'est plutôt puissant. En un coup de hache, je l'ai éclaté. Mais sa portée est courte, hein, vous l'avez vu. J'ai failli tout de suite me faire toucher par un zombie. Ce qui aurait été catastrophique pour ce début de saison. Et voilà, parfait, batte de baseball. Allez, c'est bon, je suis équipé. Je vais d'ailleurs prendre la batte de baseball, CTRL-SHIFT 2. Voilà, je peux passer de la hache à la batte de baseball. On va même faire un CTRL-SHIFT 3 sur le fusil à pompe. Je rappelle que ce sont des manipulations, vous voyez, qui, en une touche, me permet de changer d'arme très rapidement. Ok, c'est parfait. Bon, voilà, j'ai même trouvé des balles. Ouh là 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 là, je vais vous dire, je suis prêt dans cette saison. Ça s'annonce plutôt pas mal du tout. Tout ça, je laisse. Pop. Alors... Je vais pas prendre cette maison déjà, elle est dégueulasse, on voit il y a des taches de sang, il y a des cadavres de zombies, c'est pas terrible. Et puis j'ai l'impression qu'elle est assez éloignée du collège. Donc on va se rapprocher un peu. On va voir, il est... Ouh là là, il est déjà 18h, j'avais pas fait gaffe, la nuit va tomber. Bah écoutez, on va tracer et on va passer la nuit dans... Allez viens là toi, qu'est-ce qu'il y a? Encore un civil, beaucoup de civils dans ce début de saison. Bon, voilà, encore un petit bout de cervelle de zombie, c'est pas tip-top. Mais de toute façon, il est assez tard. Je vais pas m'amuser à me promener en extérieur de nuit. Ce serait dangereux et inutile. On va explorer cette maison, on va fermer les rideaux. Voyez, ici, parfait. Alors, j'ai pas de drap pour fermer ce rideau-là. Bon, on va voir. De toute façon, je vais pas... Encore du pain, on va manger, tiens, on va casser un peu la croûte. Hop, un petit bout de pain et une canette. Alors je vais poser la soupe, puisque j'ai pas le droit à la soupe dans cette saison. Pas de soupe, pas de carottes, les enfants n'aiment pas ça. Voilà, encore des balles, c'est parfait. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un peu de clou. Ouvre-boîte, je le prends, mais bon, globalement, je devrais pas spécialement en avoir besoin. Il va falloir que je trouve un marteau. Y a pas d'étage dans cette... Dans cette baraque, il n'y a pas d'étage dans cette baraque. C'est pas normal, il n'y a pas d'étage dans cette... Comment je fais pour dormir? Faut que je dorme sur un canapé. Oh, c'est pas terrible pour mon personnage de dormir sur un canapé. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Voilà, je vais passer la nuit parce que bon, bah, ça sert à rien de... Que j'explore le quartier de nuit. C'est la mort assurée. On va poser la marmite parce que c'est pareil. Déjà, je suis pas sûr que mon personnage ait suffisamment de place dans son inventaire pour porter une marmite dans sa poche. On va attendre 22h, puis on va pioncer. Bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, puisque j'ai 3 styles d'armes différents. J'ai du pain. J'ai ma petite bouteille de Sky. J'ai des chips. Mon personnage se porte bien. Tout va bien, il faudrait que je trouve un peu de... Oui, c'est foutu à poil, regardez-moi ça. Espèce de pervers, là. Allez, t'es où? Les vêtements. Ah, il faut que je trouve, je le rappelle, des vêtements. Non, c'est pas cette case-là, c'est cette case-là. Ch'touk, ch'touk, ch'touk. Il faut que je trouve un pantalon blanc et un haut rose. Eh bien, écoutez, en attendant, on va dormir. Ouais. Allez, hop, tape une bonne petite sieste. Et au lever du jour, on va tout simplement aller essayer de rejoindre l'école.
pour voir un peu, explorer. Je rappelle que j'ai toute la carte à explorer, donc ça va passer par l'école, toutes les salles de cours, etc. etc. Bon, je suis plutôt bien équipé, donc ça devrait pas poser de problème. Allez, allez, la nuit passe, la nuit tourne, on y va. Je suis sûr qu'il est en train de ronfler et de péter, mon personnage, comme d'habitude. Voilà, c'est parfait, il est 4h du mat, c'est encore un peu tôt. Mais bon, on va regarder, on va sortir tout doucement. Ok, pas de zombies en vue. On va fermer la porte, tiens, on va prendre, essayer de prendre l'habitude de fermer les portes. Alors, je sais plus trop où se situe cette école, on va faire le tour, on va passer par là. Vous voyez, tout doucement, vous voyez, je marche, je prends mon temps, j'ai pas du tout envie d'attirer la foule. Oh, je sais que là-haut, il y a un marteau. Et ça me dirait bien d'aller le chercher, oui. Je me souviens, en haut, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est la maison de la démo. Fermez la porte ici. Et on sait que dans la petite maison au fond du jardin, rien à voir avec Cabrel, il y a un marteau. Alors j'y vais tout doucement. Je prends soin de mon personnage cette saison parce que j'ai bien envie d'y arriver. En attendant, pas beaucoup de zombies, hein. Tant mieux. Oh bah regardez ça, c'est plutôt calme. Voilà, marteau. Donc marteau, des planches. Je vais peut-être en prendre un peu, mais pas beaucoup. Je sais que ça va te charger, t'inquiète. Je vais te décharger. Toc, toc, toc. C'est où? C'est là. Mince. Allez, allez, on va en poser. Voilà, on va en garder que deux. Ça, c'est pareil. Et voilà, ok, parfait. Dégage, toi. Allez, on va sortir en espérant ne pas avoir été repéré. Ok, c'est parfait. Bon, ben, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai trouvé déjà un marteau. Je vais pouvoir barricader ma future maison. Ça rappelle, hein, les objectifs de cette saison sont aussi de barricader une maison. Donc, il faut que j'en trouve une. Je me dis pourquoi pas celle-là. Elle est très très grande, elle est spacieuse, il y a de quoi faire. Je vais regarder un peu sa position par rapport à l'école. Et puis je pense que je vais la sélectionner. Elle est sympathique cette maison. Je vais courir un tout petit peu. Voilà, on va essayer d'aller dans les quartiers nord. Je crois que l'école se situe dans les quartiers nord de la ville. Un petit zombie ici. Allez, viens là le zombie. Voilà, on voit que la batte de baseball est un peu moins puissante que la hache, mais sa portée est nettement supérieure et du coup, c'est plus sécurisant pour mon personnage. Alors, elle est quand même assez loin cette école. On va essayer de la rejoindre, mais on s'aperçoit que finalement, c'est pas la porte à côté. Bon, je cours un peu. Un petit zombie ici, bah il est rentré, écoutez, on va lui foutre la paix. Hop, je marche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des bruits. Voilà, bon, lui, il est rentré, c'est pareil, il m'a pas repéré. J'ai faim. Ah oui, effectivement. Eh ben, écoute, mange, mon enfant, mange. Alors, elle est où, cette foutue école? Je vais pas être capable de la retrouver. Ah, si, peut-être en face. On va aller voir un peu là-bas ce qui se cache. Mince, elle est où, l'école? Ah, j'ai perdu l'école. Viens là le zombie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un parc. Oh la vache. Alors ça c'est un parc, c'est pas une école. J'étais persuadé qu'elle était dans le quartier nord. Je me trompe peut-être. Aïe aïe, j'ai perdu l'école. On va essayer de s'aventurer un peu dans les bois. Oui. C'est pas... Ah non, à moins que ce soit par là. Ouais, ça doit être par cette route-là. Oula, par contre... Oula la vache. Oula la vache. Ok, on se casse. Je pense que c'est cette route-là qu'il faut emprunter pour rejoindre l'école. Le problème, c'est que... Waouh. Et on va prendre un léger risque. On va tracer. Voilà, on va slalomer entre les zombies. Oula la vache. Ok, j'ai pas été touché, tout va bien. Ok, je crois que j'ai rejoint... Voilà, j'ai rejoint le quartier où il y a l'école. On va se poser juste 2 secondes. Et on y retourne. Voilà, ok, c'est parfait, ça doit être ici. Salut le zombie. Prends ton coup de batte de baseball dans la tronche. 3 coups, plutôt résistant lui. Ok, c'est bien ça, c'est l'école. Alors, je peux passer par là. Ah oui, je m'en rappelle, il y a un petit bug ici.
Il faut que je fasse tout le tour. Ok, ça c'est l'école, regardez ça, il y a eu un véritable massacre à l'intérieur, beaucoup, beaucoup de taches de sang. Pauvre petit écolier. Ça c'est les cuisines, est-ce que je peux rejoindre? À voir. Ok, parfait. Bon ben voilà, j'ai rejoint l'école. Oulalalala, ça c'est la cafétéria de l'école. un véritable bain de sang. Ceci dit, il y a énormément de provisions. Ouais, énormément de provisions, ça fait plaisir. On va en profiter d'ailleurs pour casser un peu la croûte. Est-ce que j'ai des canettes? Pas de canettes en vue. Bon. Ben voilà, écoutez, premier objectif accompli, j'ai rejoint l'école. Ça n'a pas été sans mal, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de zombies. J'ai trouvé aussi trois styles d'armes différentes. Ça, c'est parfait. On va prendre... Ouais, ça, c'est des soupes. On va prendre des canettes. Enfin, j'espère que je n'ai pas été repéré. Allez, viens là, la canette. Je prends les canettes, j'ai trouvé les stylos. J'ai déjà accompli des objectifs secondaires dans cette saison. Je pense aux stylos et aux crayons. C'est très très bien. On va essayer d'explorer très rapidement cette école. Il va falloir que j'explore aussi les quartiers d'habitation, puisque je le rappelle, j'ai des vêtements à trouver. Ça risque de ne pas être facile. Ok, ça c'est le couloir principal de cette école. Ici on a des salles de cours apparemment. On va explorer un peu tout ça. Des clous, j'en ai pas besoin. La bouteille, on se demande ce qu'une bouteille d'alcool vient foutre dans l'école. Bon, il y a une cour de récréation aussi à visiter, il y a pas mal de choses. On va arrêter là pour le premier épisode. L'objectif de l'épisode suivant, ça va être d'explorer un peu cette école, d'explorer la cour de récréation. Voir si je peux pas trouver aussi une tablette de chocolat dans les cuisines. Il faut que je trouve des vêtements, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse une nuit un peu de l'extrême. Voilà, beaucoup de choses en prévision dans cette saison. J'arrête là, je vous retrouve dans 2 jours pour la suite de cette aventure. A très bientôt, salut à tous.